Shabbat Perek Tisha Asar, Daf Kuf Lamed, Hamoud Alef. Donc Shabbat, chapitre 19, page 130 A. Le cours est l'Elo Nishmata Niftarim, Rabbi Abraham Ben Jamila, Rabbi David Nissim Ben Aisha, Rabbi David Ben Esther, et Shlomo Ben Esther. Shlomo Ben Esther. Ben Esther. Donc, il faut hâte, l'achlamat, pour le Amou Israël Bichlalam, Rabbi Aaron Ben Sulika, Binyamin Ben Simcha, et Haïm ben Rahmoula. Et Ruth Alexandra, Esther Haya, Bat, Patricia, Luna Patricia. Nouveau chapitre. Rabbi Eliezer Omer, Imlo Hebi Kedi, Merev Shabbat, Mebi Obi Shabbat, Megule. On a parlé dans le chapitre précédent que non seulement Miel Edim, on accouche une femme Shabbat, on l'aide à accoucher, mais on fait la Mila aussi le Shabbat, puisque le Shabbat, si le huitième jour tombe Shabbat, on fait la Mila. Le Moël. Le Moël coupe et pense la blessure. S'il a besoin de poudre et qu'il a de la poudre, il peut la mettre sur la blessure. Sinon, il prépare la poudre avec ses dents, l'OS. Maintenant, Rabbi Eliezer dit « Imlo hevi », c'est-à-dire le Moël, selon la halakha, quand la Mila est Shabbat, il doit préparer son bistouri et ses kelim de la Mila. Shabbat, ils doivent être à l'endroit où il doit faire la Mila. D'ailleurs, une fois qu'il a fait la Mila, qu'il a retiré ses mains de la Mila, il n'a plus le droit de toucher à quoi que ce soit des instruments qui ont servi pour la Mila. Ils deviennent en ce moment Mouktsim. Ils ne sont pas Mouktsim tant qu'il n'a pas fini la Mila. Barabi Lezer Imehadesh. Quelque chose de, et on verra qu'il va être plus, encore plus extrémiste que ça. Imlo hebi kelim erev Shabbat, mebi obi Shabbat. Oublier d'amener le bistouri et tous les instruments de la Mila depuis la veille de Shabbat. Barabbi Eliezer nous dire que mebi o Be Shabbat. Il le transporte, il l'amène Be Shabbat.
Sakana. Mechaseu api edim. Sakana. On sait que les Romains avaient interdit aux Bnei Israël de faire la Mila. Et alors, quand on transporte des kélim selon Rabbi Eliezer Shabbat, donc il devrait être découvert de manière à ce que tout celui qui voit que on est en train de transporter quelque chose, il voit que c'est un keli qui doit servir pour la mila. Yeah. Maintenant, pendant la sakana, quand il y a un danger, il faut que ce soit discret. Il faut que les Romains ne s'aperçoivent pas du tout qu'il va faire la brit mila, qu'il transporte un keli pour la mila. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mechaseu al pi aedim. Il amène deux aedim. Il leur dit, constatez que c'est le Ismaël, c'est le bistouri pour la Mila. Constatez-le. De manière que si jamais quelqu'un va lui reprocher cela, il va amener les deux aedim, comme quoi ils ont vu que c'était le keli de la Mila. Et après, il le couvre pour qu'il soit discret. Ça va? Sakana, moment du danger où il y a eu une interdiction de faire la Mila, mais Chassé, où il le couvre, Alpi Edim, en présence de deux témoins, avant de le transporter. Ça va jusqu'ici. Béod, Amar Rabbi Eliezer. Alors regardez jusqu'où il va aller. Rabbi Eliezer dit, Korti Meitim, Lassot Pehamin, Lassot Kidi Barzel. Il n'a pas de bistouri. Et il a une mila Shabbat. Il va préparer le... Alors, pour préparer le bistouri, il faut... il faut faire du feu. Faire fondre de manière à travailler le bistouri. Il a dit, dans ce cas-là, s'il n'a pas de bois prêt, il coupe le bois. Kortim etim. Il coupe les arbres pour avoir du bois. Ve la'asot pehamim, pour faire avec ce bois du charbon. Lequel charbon devrait servir? La'asot kelim barzel, pour faire un instrument avec de l'acier, avec du fer, pour couper. Ça va très loin avec Rabbi Eliezer comme ça. Et le feu, c'est taper le métal, créer un ustensile qui n'était pas là avant. C'est... paquet de chilul Shabbat qui est permis. Bah Rabbi Akiba. Klal Amar Rabbi Akiba. Pour ne pas se tromper, donc il est contre son maître Rabbi Eliezer et il le dit sous forme de règle générale. Klal Amar Rabbi Akiba. Kol melacha shefshar la'asota me'arev Shabbat. Tout travail que l'on peut faire la veille de Shabbat. Ena docha et ha Shabbat. Elle ne repousse pas le Shabbat.
C'est-à-dire, il serait interdit de le faire pendant Shabbat, parce que tu avais la possibilité de le faire Erev Shabbat, la veille de Shabbat. Aval Shei Efshar, la Azotam Erev Shabbat, Doha et Shabbat. Mais s'il y a une Melacha, qu'on ne peut pas du tout faire la veille de Shabbat. Si le jour de la Mila tombe Shabbat, est-ce que je peux faire la Mila la veille de Shabbat? Non. Non. Dohet à Shabbat. Ça repousse le Shabbat, c'est-à-dire ça repousse l'interdiction du Shabbat et on fait la Mila pendant Shabbat. Y a-t-il une difficulté quelconque? Oui, Rabbeinu. Oda Pam Rabbi Akiva. Encore une fois, s'il vous plaît. Rabbi Akiva dit, Klal, une règle générale. Kol melacha she'efshar la'asota. Tout travail qui est possible d'être fait la veille de Shabbat. Elle ne va pas repousser le Shabbat. Si le lendemain, je me trouve en panne et je dois préparer le couteau, pourquoi tu ne l'as pas fait la veille de Shabbat? Ah, maintenant, tu veux le faire pendant Shabbat, ça, et non, Doha. Pourquoi? Parce que tu avais la possibilité de le faire avant. C'est l'exact contraire de Rabbi Eliezer. Absolument. Il est contredit tout ce qu'il a perdu. Et la halakha est comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Des fois, il y a des accidents. Par exemple, il a tout fait à Erev Shabbat. Et le lendemain, il y avait un accident. Le couteau, il n'était pas assez aiguisé. Il peut l'aiguiser parce que c'est pas de sa faute. Je te dis encore une autre fois qu'il ne peut pas le faire. Mais il l'a fait hier, le couteau, mais il est tombé Shabbat. Il s'est cassé. Il ne peut pas le faire Shabbat. Alors il n'y aura pas de Mila. Il n'y aura pas de Mila. Mila sera repoussée. Donc, si le moine il a oublié de laisser à la synagogue ses outils, les invités et tout, rien à faire. Il ne peut pas l'amener de la maison voilà. À la synagogue. Voilà. On part dans un endroit où il y a Hérouf, il peut l'amener. Après, on ne le donne pas à un enfant pour le faire. Quand on met Shahat Ad-Dahak. Shahat Ad-Dahak, c'est quoi Shahat Ad-Dahak? Le Moël, il sait qu'il va faire une Mila demain. Alors, il doit préparer la veille pour que demain, il trouve un bistouri. C'est ça, tout travail qu'il peut faire la veille. Il ne peut pas repousser le Shabbat. Oui, Eric. Rabbeinu, la Mila elle-même, c'est un travail. Oui. Donc, c'est un travail qui ne se perd que Shabbat. On ne peut pas dire que ça, c'est un ouvrage qu'on ne peut pas faire la veille de Shabbat, donc ça repousse. Absolument. Comme dit Rabbi Akiva. Absolument, c'est ce que dit Rabbi Akiva. D'accord. Tandis que la Mila qui tombe Shabbat, je ne peux pas le faire vendredi. La veille, vendredi. Alors, la Mila repoussera le Shabbat. Oui, Mathias, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air un petit peu intrigué. Oui, non, parce que si, par exemple,
le Moël, il a oublié quelque part. Je pense qu'on a toujours une façon de... Ce n'est pas qu'il a fait exprès. Pour une raison ou une autre, il n'a pas pu amener à la synagogue ou à la salle. Alors, je pense qu'on peut utiliser des enfants qui ont moins de 13 ans, qui ne sont pas hayab et mitzvot, et le faire venir jusqu'à la synagogue ou à l'endroit où il fait la brit. Vous voulez qu'on vous réponde, c'est ça? Qu'il faut le faire. D'abord, le Moël ne doit pas oublier. Il n'a pas à oublier. Maintenant, s'il se trouve, comme vous avez dit, c'est pas qu'il a oublié, mais ça s'est égaré. Vadaï, tant qu'il n'a pas de bistouri, il ne peut pas du tout pratiquer la mila. C'est tout. Rabbi Akiva, il nous a, pour l'instant, la discussion viendra après. La halakha est comme qui? Rabbi Akiva. Nous avons dit, halakha que Rabbi Akiva me havero. Quand Rabbi Akiva, il discute avec un. C'est toujours lui. Halakha est comme Rabbi Akiva. Quand il discute avec Rabbim, la halakha est que Rabbim. Oui, Jérôme. J'ai compris. Non, je pensais que vous vouliez intervenir. Non, excusez-moi. Non, j'ai compris, mais comme j'ai pas mon stylo, j'ai eu une. Je cherchais. Je n'ai pas mon stylo. C'est pour ça que je. Comment ça se fait, Moudara? Par exemple, Yom Tov, il a préparé le couteau pour faire shkita un tarnegol. Yom Tov, il s'est permis. Maintenant, je marcherai. Je te mérite, si ce couteau est là, il n'est pas bien aiguisé, il est tombé ou. Il peut l'aiguiser pour faire la shechita. Comment ça se fait pour la Milan? Non. D'abord, il ne peut pas l'aiguiser pour faire la shechita. Il peut l'aiguiser parce que ce n'est pas de sa faute. Non. Le couteau, il était prêt au Kaddad de Kahalaka, mais le lendemain, il y avait un accident. Et ce couteau, il a un problème. Alors maintenant, il ne peut pas faire une shahita s'il ne l'aiguise pas. Amram. Ou il a deux couteaux, ou il peut aller emprunter un couteau chez un autre shohet qui est déjà prêt. Et l'aiguisement pendant Yom Tov, filou. Une ménagère, elle ne peut pas du tout aiguiser, alors que c'est Ochel Yom Tov, Sorech Yom Tov, c'est moutard de faire certains travaux. On fait cuire, mais le feu, maintenant, quand il s'agit de déguiser un couteau, alors Massi'ah al Haberta, un couteau contre un autre couteau, mais pas sur une pierre à aiguiser. Pour apprendre le Khotyom Tov, c'est pas simple. On peut passer à la Gemara? S'il vous plaît, Rabbi. C'est très intéressant, c'est pour ça qu'on pose des questions. J'ai besoin que tu me dises Non. Moi,
J'ai une autre question. Est-ce que c'est déjà arrivé, Rabbi? Si vous arrivez à évaluer un petit peu le nombre d'informations que vous recevez dans la semaine, c'est énorme. C'est énorme. Baruch Hashem, vous avez votre esprit comme une éponge. Elle absorbe ses vagues, ses osophèques et d'accord. Ça va? Il va y aller où? Dans Beta Midrash, on a eu à se pencher sur un problème. Tamad Rabbi Eliezer, Mishum Hibboube Mitzvah, O Dilma, Mishum Hashada. Notre Rabbi Eliezer nous a dit, Bishata Sakana. Au moment du danger, Mechasehu, il le couvre Alpi Edim. En présence de deux témoins. Alors, la Gemara veut savoir c'est quoi l'intention exprimée par Rabbi Eliezer. Est-ce que Mishum Hibboube Mitzvah, il aime la mitzvah, c'est pour cela qu'il la protège, c'est pour cela qu'il la couvre, qu'il couvre le keli de la Mila est précieux, on ne doit pas du tout la porter n'importe comment, mais il doit être couvert, il doit être protégé. Il doit être protégé parce que c'est un keli de la mitzvah auquel Rabbi Eliezer attache une affection particulière. Hibboub, le mehabeb est un mitzvah. Ou mishum hasada, ou bien pour éviter tout soupçon, quand il le couvre, tout le monde sait. S'il apporte quelque chose couvert, et alors qu'il a exigé deux témoins, c'est pour éviter à ce qu'on le soupçonne qu'il est en train de transporter certaines choses qui ne sont pas permises. Alors vous allez me dire, en quoi c'est important qu'on sache si c'est Hibou Mitzvah ou bien Hashad. Si c'est le Hashad, si c'est le soupçon ou bien l'affection. Les mains nafkamina. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que je retire de là? Si je dis Mishum Hibou Mitzvah ou Mishum Hashad. Alors écoutez, les atouye, mechoussé, alpi, edim. Edim, c'est pour te dire que il doit l'amener, mechoussé, couvert, alpi, edim. Parce que quand il y a les edim, lui, il est. Il n'y a pas de chachad, il n'y a pas de soupçon. Il est quitte. Il y a un verset qui dit Vihitem nekiim, mais Hashem, mi Israël. Il faut être quitte, il faut être innocent. Mais Hashem, devant Hashem, et également devant Israël.
Parce que Hachem, il sait. Oui, la vérité. Connaît la vérité. Mais tout de même, fais-le. Parce que Israël ne connaît pas la vérité. Quand tu le fais selon des édimes, ils peuvent te laver de tout soupçon. Alors il dit, les maïs nafkamina, les atouyem et roussé al piedim, pour inclure le cas où le bistouri, il l'amène couvert en présence de deux édim. Alors, ça s'appelle le raisonnement marakchi. Et Amrat Bishrama. Et Amrat Bishrama, Mishum Hibube Mitzvah. Dora Marakshia. Si Yamrat, si tu dis Bishlama, c'est-à-dire je suis d'accord avec toi si jamais tu diras ça, Mishum Hibuvei Mitzvah, à cause de l'affection de la mitzvah, l'affection particulière de la mitzvah, Megulé, En mechusé lo. Quelqu'un qui aime la mitzvah, est-ce qu'il va l'amener couvert? Non. Il va l'amener mégoulé. Il va l'amener mégoulé parce que pour tout le monde, il veut la montrer. Il veut manifester l'amour qu'il a pour la mitzvah. Alors, et Amrat. Si tu dis que la raison, c'est Mishum Hibouvé Mitzvah, alors Hibou Mitzvah n'existe pas qu'il soit Mégoulé, mais pas Mechoussé. Et la Yamrat, Mishum Hasrada. Mais si tu dis Mishum Hasada, Hasada, il le couvre. Mishum Hasada, c'est-à-dire pour que on n'arrive pas du tout à le soupçonner qu'il est en train de transporter d'autres choses, mais pas le bistouri. Pourquoi on va le soupçonner? On sait qu'il vient pour la mitzvah de la Brit Mila. Comment vous le savez? C'est le mot Moël, et c'est juste lui qui peut venir avec un couteau. Il transporte un couteau dont il a besoin, et le bistouri se trouve à l'endroit où il y a la Mila. Il y a deux moments là-dedans. La Mishnah, elle voit deux moments. Quand il dit Ubishat Sakana, Ubishat Sakana, au moment de la Sakana, pour éviter tout soupçon, il me chassé ou alpé edim. Mashma, quand il n'y avait pas la Sakana,
quand il n'y avait pas la sakana, est-ce qu'il fallait la porter Mégoulé ou Mechoussé? Mechoussé. C'est ça la question. Mégoulé ou Mechoussé? Si tu dis Mishum Iboum Mitzvah, c'est sûr qu'il doit être Mégoulé. Aval Mishat Sakana, on a dit Yechaseu Alpi Aedim. Et là, c'est Mishum. Kana. Pourquoi il est Mechassé ou? Il a peur du gouvernement. Alpi Aedim, Mechassé ou Alpi Aedim, c'est pourquoi? Pour éviter le soupçon. Oui ou non? Oui. Alors, dans ce cas-là, la baïa pour la risha qui n'est pas risha sakana, qu'est-ce qu'on va dire? C'est sûr que c'est qu'il doit l'amener mégoulé, dafka mégoulé. Mais mechoussé, apilo apiaïdim bishach. Chez l'homme Mishat Sakana, sans le Sakana, est-ce qu'il doit l'amener, Mechoussé? Non, vous avez dit Mégoulé. Mégoulé. Non. Je répète, c'est très fin. Ibaya le haut. Dans Beit HaMidrash, on cherche à savoir quelle est la raison pourquoi Rabbi Eliezer il nous dit de l'amener Mechoussé. Est-ce que mitam hibub mitzvah ou bien mitam hashad? Alors il dit i amrat vishlama. Si tu dis que dans Mishum Hibub Mitzvah, dans la Risha. Mishum Hibub Mitzvah, Vadaï Mégoulé seulement. Aval Mechoussé, pendant qu'il n'y a pas de Sakana, pourquoi faire Mechoussé? S'il fait Mechoussé, il n'y a plus de Hibub Mitzvah. Aval, si tu dis mitam hashad, il peut avoir hibou mitzvah. Alors qu'on a décidé que c'était mishum hibou mitzvah, afilu mechoussé lo, il ne doit l'amener que mégoulé. Mm. Tu voyais un petit peu là. Même dans le temps du hashad? Quoi? Dans le temps du hashad? Ça veut dire que pour qu'on ne le soupçonne pas, il a la permission de l'amener Mechoussé. Mais on a dit, on est dans l'hypothèse où c'est mitam hibou mitzvah. Alors ça doit être Mégoulé. Ça doit être Mégoulé. Il n'y a pas une autre façon. Même s'il y a hachad. S'il y a hachad. Même s'il est hachad, il faut qu'il soit mégoulé. C'est-à-dire qu'il ignore le hachad. À partir du moment où j'ai décidé que le chibou mitzvah, d'avka mégoulé,
אבל מכוסה לו. אלא היא אמרת משום חסדה, אפילו מכוסה שפיר דמי, dit, mais si tu dis mitam hashad, et au moment de la au moment où il n'y a pas de sakana, afilo mechusé, il peut l'amener. Il n'y a pas la sakana, il peut l'amener mechusé. Pourquoi il a été couvert? Pourquoi il a couvert? Parce que mitam hashad. Hashad et sakana, c'est pas pareil? Pas. Ok. Achille Arabe. Quand tu es dans la Hibub Mitzvah, tu dois examiner les deux possibilités, chez l'eau bishat sakana et bishat sakana. Quand il dit mishum hibou mitzvah, dafka megoulé. Dafka megoulé. Et si tu viens à le mettre, à être mechoussé, je dirais non. Parce que tu es dans le paramètre de mitzvah. Les deux possibilités, chez l'obishat sakana et bishat sakana. Chez l'obishat sakana, c'est normal qu'il soit mégoulé. Et tu veux l'amener mechoussé, je te dirais non. Maintenant, je ne suis plus dans le paramètre de... Continue. Dans le hibouv. De hibouv. Je suis dans le paramètre de hashad. Et hashad, bishad, sakana, je comprends qu'il y a hashad. Avec shelo bishad sakana, et je veux l'amener couvert. Est-ce que je peux l'amener couvert? Bien sûr que oui. La différence que j'ai, c'est mitam hibou mitzvah couvert non, mitam sakana, afilou, il n'y a pas de sakana. Couvert, oui. Ça, la nafkamina, c'est-à-dire, je dois trouver qu'il y a une différence entre un cas et l'autre. Alors, je l'explique encore une autre fois. Essayez de noter. Agmara dit, si c'était Yamrat Bishlama, mitam hibou mitzvah, à cause de l'amour de la mitzvah, on ne parle pas de shat sakana. Donc lo sakana. Est-ce que tu l'amènes? Hibou, lo sakana, megoulé. Megoulé. Si tu peux l'amener couvert. Chibouv, lo bishat sakana, megoulé. Megoulé, c'est-à-dire que mechoussé, non. Lo mechoussé. Mais dans le chat sakana, mechoussé. Mechoussé. Chez lo bishat sakana. Je veux l'amener mechoussé, est-ce que c'est permis? Non. Voilà. Retenez. Et dans quel cas maintenant je suis?
Ça va. Maintenant, je suis dans Shahat Mitam Hashad. Ah, Hashad. Encore une fois, on a Sakana et pas Sakana. Alors, quand est-ce que je comprends qu'il faut l'amener Mechoussé? Hashad, Vesakana. Bishat Sakana. D'accord. Ça va? Maintenant, chez l'eau, Bishat Sakana. Est-ce que je peux l'amener Mechoussé? Oui, à cause du Hashad. Oui. Oui, mais pourquoi? Je peux l'amener Mechoussé. Oui. Donc, dans la différence, c'est ça. Bishat Hashad. Filou Shelo Bishat Zakana. Je peux l'amener Mechoussé. Je peux l'amener Mechoussé. Mita Hibou Mitzvah. Mégoulé. Mégoulé toujours. Et voilà la différence qu'il y a. Oui. Mais Rabbi David, comment on peut être sûr qu'il n'y a jamais de sakana? Comment il va être sûr qu'il n'y a jamais de sakana? Quand il n'y a pas de décret et qu'il y a la liberté, la démocratie et l'égalité, il n'y a aucune interdiction. C'est ça, Vishas. C'est pas un sakana, un danger selon la santé, mais un danger par le gouvernement qui est interdit. Mais ils ont fait un tableau, mais je ne sais pas si j'ai bien compris ce que le Rav nous a expliqué maintenant. Il n'est pas complet, ce tableau. Je vais essayer de le mettre. Non, le tableau, on doit le terminer. On doit terminer tout le raisonnement. Ah. Alors, je vous invite demain. On va raccourcir un petit peu parce que j'ai un mariage. Alors, la bouteille, on commence à 5 heures demain. Pile, sharp. 5 o'clock. Baruch Adonai le Olam. Amen ve Amen. Amen ve Amen.